Alors, notre partie 2, d'accord? Partie 2, s'il vous plaît, prenez le livre. Désolé, je suis touriste. La leçon 4, s'il vous plaît, leçon 4, la leçon 4, page 24, Egypsa Peiji, page 24, la leçon 4, d'accord? Alors, ici, dans cette leçon, nous allons revoir, donc revoir, poksupada, nous allons revoir les pronoms toniques, kanseyong demyongsa, et aussi nous allons voir la question, wimunmun, l'interrogation, wimunmun hyante, okyang et tilmun, la question par intonation. Et la question avec est-ce que et wimunmun hyante, la forme avec est-ce que. Alors, attendez. Donc, vous allez regarder ici, dans le PDF grammaire. Munpop, puro munpop PDF, tchal poseo. D'accord? Donc, numéro 1, vous avez Samship Page numéro 1. On va revoir. Chuo, inching de myongsa, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, pluriel, poksuyon, et on va revoir, kanseyon, inching de myongsa, les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Donc regardez bien ici, dans le PDF. Après, par exemple, vous regardez ici, exemple, ici, regardez la phrase pour insister. Chuo, kangjo, pardon, pour insister. Donc, kangjo halte, quand vous voulez insister, moi, je suis étudiant. Et lui, il est professeur. Moi, je suis étudiant et lui, il est professeur. Moi, je suis professeur et vous êtes étudiant. Moi, je suis française et vous êtes coréen, coréenne. D'accord? Alors après, je vous donne ici les verbes. Donc ça, les verbes en français, donc ça, hein, donc ça, vous avez l'infinitif, donc mon modun, donc ça, donc ça, wanhyang, isseur, wanhyang, donc il y a l'infinitif. Aussi, dans les verbes, il y a trois groupes. Ces groupes, et donc ça, isseur, trois groupes. Ilgun, kutik, donc ça, er, exemple. Parler, chanter, manger, parler, ER. D'accord? Infinitif, donc ça, Wanhyang, ER. Mité, ER. Igun, kutik, donc ça, IR. IR, par exemple, finir, dormir, partir, etc. Et Samgun, pul kutik, donc ça, exemple, être, Ida, avoir, Kajigo Ita. Partir, tonada, etc. Donc, trois groupes. D'accord? Apprenez, apprenez, apprenez. Peuseo. Trois groupes. Premier groupe, ER. Deuxième groupe, IR. Troisième groupe, irrégulier. Pulkutik, donc ça. D'accord? Alors, par exemple, ça, c'est facile. Ilgun. Hein? Ilgun, donc ça. Je suis rien. Hein, orupti anayo, ce n'est pas difficile. Exemple, le verbe parler, malhada. En français, je parle, tu parles, es. Il, elle parle, e. Nous parlons, ons. Vous parlez, ez. Il, elle parle, ent. Facile. La même chose. Pardon. La même chose, aimer, johada,
J'aime, eux, tu aimes, ES, ils, elles aiment, eux, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. La même chose, soldat habité, j'habite. Alors le problème, attention, attention, je aime, non. Pourquoi? Ouais. Mouem ina, mouem h, bro, shijakhanen dongsanen, mouem, tundorul, makiwihe, je, ka, j, apostrophe, lo, tuga, temnida. D'accord? Par exemple, je aime, non, 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 non. D'accord? J'aime. Je habite, non, j'habite. Donc, avec une voyelle, moum, ou avec H, J apostrophe. Ok? Ça va? Après, dans la leçon, nous allons étudier, oui, moun, l'interrogation. Donc, attention. L'interrogation, par exemple, vous avez l'interrogation Pyeongso mun yhangte wimun mun chuo plus donsa. Exemple, vous êtes français? Vous êtes français? Et attention, est-ce que wimun mun, est-ce que plus chuo plus donsa? Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes français? Donc, attention. Donc, regardez bien la grammaire. Apprenez bien la grammaire. OK. Donc, s'il vous plaît, on commence, on commence, on commence. Page 24. Le livre amical. Page 20, 24. Ichipsa Peiji. Ichipsa Peiji. OK. Page 24. On écoute le dialogue 1. Écoutez. Leçon 4. Désolée, je suis touriste. Page 24. 1. Vous connaissez la rue du colonel? Pardon, madame. Est-ce que vous connaissez la rue? Non, je suis désolée. Excusez-moi, je suis touriste. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Vous parlez anglais? Ah non, désolé. Je parle français, italien, allemand, un peu chinois. Merci, merci. Alors, ici, alors vous vous souvenez, vous demandez, hein, pour demander quelque chose, pour demander quelque chose poliment. Jongjung hage ptakalte, quand vous demandez quelque chose en français, pardon, pardon, excusez-moi pour demander. Putakada, demander poliment. Changjung hage, demander poliment. Pardon, professeur, j'ai une question. Hein? Excusez-moi, professeur, j'ai une question. Alors ici, otonjangso, dans quel endroit? Ici, dans la rue. Korieso, korieso. Pardon. Madame, alors pardon, ici, Shire Amnida. Pardon, madame. Est-ce que vous connaissez la rue? Alors par exemple, hein, Victor Hugo, Korirul Amnika, vous connaissez la rue? Donc rue, la rue. Hein, Kil, Kori, hein, la rue. Non, je suis désolée. Chesson et oh, hein, Tal mollayon. Hein? Donc, pardon. Hein? Non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Excusez-moi. Puyon duge isa. Désolée. C'est son ada. Hein? Je suis désolée. Excusez-moi. Excusez-moi. Tal mollayon. Yogi, tal mollayon. Je suis touriste. Weugini-yo. Gwangwangek iyeo. D'accord? Na Paris, tinja tal mollayo. Je ne connais pas Paris. Je suis coréen. Je suis coréenne. Je ne sais pas. Tal mollayo. Je ne sais pas. Pardon, monsieur. Tashi, putakalte, shira amnida. Excusez-moi. Tout bon. Vous parlez anglais. Vous vous souvenez? Malhada, hada,
영어를 하십니까? Vous parlez anglais? Ah non, 아니에요. Désolé, 못합니다. Je ne sais pas parler anglais. Je parle français, 프로, italien, italio, allemand, 독일어, un peu chinois, un peu, 조금, un peu chinois. 조금, alors 중국어를 조금 합니다. Je parle un peu chinois. Je parle bien anglais. 영어를 잘 합니다. Je parle bien anglais. Je parle un peu. 조금. D'accord? Merci, merci. 다시. Écoutez encore. Leçon 4. Désolé, je suis touriste. Page 24. 1. Vous connaissez la rue du colonel? Pardon, madame. Est-ce que vous connaissez la rue? Non, je suis désolée. Excusez-moi, je suis touriste. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Vous parlez anglais? Ah non, désolée. Je parle français, italien, allemand, un peu chinois. Merci, merci. D'accord? Donc, attention la question. Attention la question. Donc, l'interrogation. Par exemple, la phrase est-ce que vous connaissez? Hein, est-ce que, donc, 일상에 자주 쓰는 질문? Est-ce que? 대답? Oui, non. La réponse, oui, non. Est-ce que vous êtes coréen? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous habitez à Daegu? Est-ce que vous étudiez à l'université de Kyungbuk? Est-ce que? Attention, la forme 혹양의 질문, par exemple, vous êtes étudiant? Vous parlez français? Vous êtes coréen? Donc attention, est-ce que et Okyang et Jilmoon, la question par intonation, attention la phonétique. 발음에 주의해 주세요. 제작 영상에 설명해 드립니다. Donc, je vais vous expliquer. Attention, par exemple, vous êtes coréen? Vous êtes coréen? 한국 사람이세요? Vous êtes coréen? On va monter. Vous êtes coréen? Est-ce que? Écoutez, est-ce que vous êtes coréen? Est-ce que vous êtes coréen? Attention, la phonétique. Je répète. Vous êtes coréen? Vous êtes coréen? Est-ce que vous êtes coréen? Est-ce que vous êtes coréen? D'accord? Ok. Donc aussi, n'oubliez pas, apprenez, apprenez pour demander. 정중하게 부탁할 때, pardon. Désolé, excusez-moi. Pardon, monsieur, pardon, madame, pour demander quelque chose. Ça va? Ok. Donc, pour répondre aussi ici, ah non, désolé, ah non, je suis désolé. Hein? 아니라고 할 때 뒤에 정중히 je suis désolé를 붙입니다. D'accord? Vous allez dire, ah non, je ne sais pas. Oh, 잘 몰라요. Ah non, je ne sais pas, je suis désolée. D'accord? Ça, c'est la politesse. 예의 발음, la politesse. D'accord? Donc, ici, cocher, compréhension orale, cocher. D'accord? Ici, cocher. Ici. Alors, l'homme, le monsieur, parle français. Italien et chinois. Un peu chinois. Et vous? Vous parlez français? Vous parlez anglais? Vous parlez japonais? Et vous? Quelle langue autonome 합니까? Hein? Quelle langue étrangère vous parlez? Ok, alors ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, pardon. Donc, on va regarder
le dialogue 2, s'il vous plaît, le dialogue 2. Une fête Erasmus. Salut, moi c'est Thomas. Tu es étudiante ici? Oui, et toi? Moi aussi. Je suis étudiant à Nice, mais j'habite à Berlin. Ah, tu es allemand? Tu parles très bien français. Bravo! Merci. Moi, je suis espagnole. Je m'appelle Anna. Lui, il s'appelle Karim. Et elle, c'est Jessie. Elle est anglaise. Salut. Toi aussi, tu es étudiante? Non, je suis professeur de judo. Super! D'accord. Alors, regardez la photo, Sajinul. Tal. Poseo, regardez la photo. Hein, regardez la photo. Donc, dans un salon, Kashil, vous avez un salon, un appartement, un restaurant, Chiktan, il y a des étudiants. D'accord? Il y a des étudiants. Des étudiants. Ils boivent de l'alcool. Ils parlent. D'accord? Ils parlent. Ils boivent. C'est une fête. Party. Une fête. Erasmus. Erasmus. Vous connaissez? Amnika. Vous connaissez Amnika? Vous connaissez Erasmus? C'est le nom Europe Kyoanakseng Programme. Europe, Kyoanakseng, programme Irem Ieo, Erasmus. Donc, des étudiants étrangers, Wegugin, Weguk Haksengdri, des étudiants étrangers, ils sont en France, d'accord? En France pour apprendre, Peuda, le français. On écoute. Attendez. Moi, c'est Thomas. Ok. 2. Une fête Erasmus. Salut, moi, c'est Thomas. Tu es étudiante ici? Oui, et toi? Moi aussi. Je suis étudiant à Nice, mais j'habite à Berlin. D'accord. Donc, Thomas. D'accord. Thomas, non. Thomas. Salut, moi, c'est Thomas. Thomas hier. Moi, c'est Thomas. Tu es étudiante ici, Yogi, tu es étudiante ici, oui, et toi, Kang Se-hyun, Demyeongsa, et toi, Kurigono. Moi aussi, Nado, Todo, je suis étudiant à Nice, d'accord, Nice, Namjok, Prudence, Toshi et Irem, le nom d'une ville française. Donc, à Nice, vous avez... Changso et Irem plus Chonchisa à Nice. Nous habitons. 우리는 대구에서 삽니다. Nous habitons à Daegu. D'accord? À Daegu, à Nice. Mais, alors, moi je suis étudiant à Nice, mais, j'habite, donc salda, habité, j'habite à Berlin. Berlin. Hogil en Allemagne. Ah, tu es allemand? Alors, l'Allemagne, Togil, nationalité, Kukchok, Togil Sara, tu es allemand? Ah, tu es allemand? Tu parles très bien français, bravo! Ah, tu es allemand, donc Thomas est allemand. Il est étudiant d'échange. Kyoanakseng, Thomas. D'accord? Il est étudiant à Nice. Il est étudiant à l'université à Nice. Il est allemand. Tu parles très bien français. Bravo. Chukkae. Pururu chare. Chukkae. Bravo. Hein? Bravo. Merci. Moi, je suis espagnole. Je m'appelle Anna. D'accord. Moi, je suis espagnole. Spain Salam. Elle est étudiante. Elle est espagnole. Elle s'appelle Anna. Lui, il s'appelle Karim. Et elle, c'est Jessie. Elle est anglaise. Salut. Alors, Jessie, elle est anglaise. Yongguk Salam.
D'accord? Donc, Thomas est allemand. Anna est espagnole. Il y a Karim. Et Jessie est anglaise. Yangouk Salam. L'Angleterre, Yangouk. Yangouk Salam, anglaise. Toi aussi, tu es étudiante? Non, je suis professeure de judo. Super! Ah! Jessie, elle est étudiante? Non, Anio. Elle est professeure de judo. Judo, Kyosa. Super! Non, je suis professeure de judo. Tiens, tu vois, Motida, hein, d'accord, hein? Elle est professeure de judo. Ça va? Vous comprenez? C'est bon? Alors, regardez ici. Regardez la compréhension orale. Compréhension orale. Thomas est... Alors, CCO. Thomas, sa nationalité. Sa nationalité, Thomas est allemand. Allemand. CCO, allemand. Thomas est allemand. Il est Tigop. Auton Tigop. Il est étudiant à Nice. Thomas est allemand. Il est étudiant à Nice. Anna. Anna est espagnole. Anna est espagnole. Écrivez. Elle est aussi étudiante à Nice. Elle est aussi étudiante à Nice. Jessie est anglaise. Jessie est anglaise. Elle est professeure de judo. Jessie est anglaise. Elle est professeure de judo. OK? Après, phonétique. Phonétique, écoutez, répétez. Écoutez, répétez. Phonétique. Écoutez et répétez. Je suis allemand. Je suis allemande. Je suis étudiant. Je suis étudiante. Rythme. Écoutez et répétez. Je suis professeur. Moi aussi, je suis professeur. Intonation. Écoutez et répétez. Bravo! Super! Allez, on répète encore. Je suis allemand. Je suis allemande. Je suis étudiant. Je suis étudiante. Je suis professeur. Moi aussi, je suis professeur. Moi aussi, je suis professeur. Moi aussi, je suis professeur. Kamtan Moon. Kamtan Sa. Bravo. Super. OK. Alors après, donc ça c'est...